Salut, salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une montre connectée, la Huawei Watch GT. Bon, ok, d'accord, vous voyez pas grand chose parce que pour l'instant, il n'y a que le carton. Alors, c'est la première fois que je teste une montre connectée de chez Huawei, mais ça va pas forcément m'être inconnu puisque, rappelez-vous, j'ai le Honor Band 4 ici. Et le Honor Band 4, Honor, Huawei, c'est le même groupe et ils utilisent du coup la même application qui est l'application Huawei Santé. C'est pas mal puisque ça va vous permettre de voir que même si c'est des produits qui utilisent la même application, on n'aura pas forcément le même service rendu entre les deux produits. Alors là, je ferai peut-être référence un petit peu à mon test du Honor Band 4, donc si vous ne l'avez pas vu, dans le i. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision, il s'agit bien là de la Huawei Watch GT. Alors, faut faire attention parce qu'il y a plusieurs références de montres connectées chez Huawei. Il y a une référence sport, il y a une Watch Active, Watch GT Active, je sais plus. Il y a aussi une Watch GT 2, voilà. Là, on parle bien de la Watch GT classique. Allez, on va commencer par parler un petit peu de son design. C'est une montre avec un cadran rond, un cadran de 46 mm. Alors, celle-ci est complètement noire avec un bracelet en silicone noir, mais sachez qu'il en existe une autre qui est noire et grise avec un bracelet en cuir marron. Alors, quand on la regarde comme ça, moi, je trouve qu'elle fait plutôt bonne impression. Je la trouve en fait assez jolie. Alors, au niveau de son packaging, la montre est fournie avec son câble de charge et son chargeur sans fil, puisqu'il s'agit d'un chargeur magnétique, ainsi que d'un manuel. Au niveau de ses caractéristiques, on sera ici en présence d'un écran AMOLED de 3,5 cm de diamètre. Cet écran permettra de personnaliser le cadran, on pourra ainsi choisir parmi une multitude de cadrans qu'on pourra installer, donc voilà, en fonction de ses humeurs, ses envies, ses goûts, on trouvera forcément le cadran qui nous plaît. La Huawei Watch GT est équipée de nombreux capteurs, boussole, accéléromètre, gyroscope, GPS, capteur de luminosité, capteur de pression et un cardiofréquencemètre. La montre possède une autonomie de 2 semaines, alors ça c'est ce qui est annoncé par le fabricant, on va voir juste après si le pari est tenu ou non. Elle est bien sûr étanche pour pouvoir faire du sport avec et notamment l'emmener à la piscine ou à la mer, et elle est équipée du Bluetooth en version 4.2. Au niveau de ses fonctionnalités, c'est tout bête, on n'en parle pas assez souvent pour les montres connectées, mais elle affiche l'heure. Bon, au-delà de tout ça, bien évidemment, on aura beaucoup d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'affichage des notifications. Là, on va pouvoir avoir nos messages, etc., qui vont apparaître sur l'écran de la montre, plus besoin de sortir son smartphone de la poche. Pour les feignants, c'est cool. Mais c'est pas tout, puisque la montre va proposer un suivi d'activité pour l'activité quotidienne, tout au long de la journée, un suivi d'activité un peu plus approfondi pour les séances de sport, le suivi du sommeil, le suivi du rythme cardiaque et plein d'autres fonctions type boussole, baromètre, etc. Bon, on a fait le tour de ces fonctionnalités, je vais maintenant vous donner mon avis sur cette Huawei Watch GT et premier point que je vais aborder, c'est son autonomie. On avait donc une autonomie annoncée de 2 semaines, soit 14 jours. J'ai pour ma part mesuré une autonomie de 12 jours avec mon utilisation, donc beaucoup de notifs, un petit peu de sport, etc. 12 jours, je trouve que c'est plutôt pas mal. Puisque j'ai testé plusieurs montres connectées et pour des montres un peu équivalentes avec les mêmes capteurs, etc., notamment GPS et tout ce qui va avec, bon, on était plus sur une semaine, 5-6 jours, etc., notamment par exemple quand j'avais testé la Stratos. Là, on est sur 12 jours, c'est plutôt bien, puisqu'on est tous d'accord que c'est chiant de devoir recharger relativement souvent son smartphone, sa montre, etc., donc si on peut avoir des durées un petit peu plus longues que 2-3 jours ou 4-5 jours, et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, parlons du suivi de l'activité au quotidien. Vous allez pouvoir voir la distance parcourue, les pas que vous avez fait dans la journée, etc. Ça reste un peu classique. Maintenant, il y a un truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'on va pas avoir les calories dépensées au cours de la journée de manière relativement naturelle, on va dire, lorsqu'on marche, lorsqu'on va monter des étages, etc. Les calories qui vont s'afficher dépensées, ce sera seulement pendant les séances de sport, et là c'est un petit peu dommage, surtout quand on sait qu'il y a des marques concurrentes qui sont capables de nous donner une estimation des calories brûlées dans la journée, donc tout au long de la journée. Donc là, je dirais, c'est un petit truc qui peut gêner certains, surtout ceux qui veulent vraiment suivre leur activité de manière générale tout au long de la journée. Au niveau du suivi des activités sportives, là c'est plutôt cool, alors j'en ai pas utilisé beaucoup, tout simplement parce qu'en ce moment, aller à l'extérieur, par chez moi, il fait frais, il pleut tout le temps, etc. Donc c'est pas facile. En revanche, il y a un truc qui est cool, qu'il y avait par exemple pas sur le Honor Band 4, c'est que dans les activités sportives, on a un mode autre,
qu'on va pouvoir déclencher pour faire des sports qui ne sont pas listés dans la montre. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai pu faire des séances de sport à la maison et les classifier autres, et du coup pouvoir déclencher cette petite analyse d'activité un petit peu plus fine que l'analyse quotidienne tout au long de la journée. Et là j'ai trouvé ça vraiment bien puisque sur la montre on va pouvoir voir les types d'efforts qu'on est en train de faire, on va pouvoir voir si on est sur une phase plutôt échauffement, de l'aérobie, de l'anaérobie, etc. Donc voilà, ça parle peut-être pas à tout le monde. Ceux qui s'intéressent un peu au sport, ça va forcément leur parler. Et donc ça c'est plutôt cool de voir un petit peu dans quelle zone on se situe et quel type d'exercice finalement on a fait. Est-ce que c'était plutôt de l'entretien, est-ce que c'était plus, etc. Au niveau du suivi du sommeil, on est plutôt bien. C'est comme sur le Honor Band 4, là c'est un petit peu la même chose. On va avoir nos différentes phases de sommeil, sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil léger, phase éveillée, etc. On va voir la durée de nos nuits, quand est-ce qu'on s'est endormi, quand est-ce qu'on s'est réveillé, enfin tout ce qui est, on va dire, classique. On aura aussi parfois quelques petits conseils du genre faut se coucher plus tôt, voilà, moi les conseils que je suis jamais par exemple, mais bon, je suis pas forcément un bon exemple. Ensuite, l'affichage des notifications, c'est là que je suis un peu plus mitigé sur cette montre depuis tout à l'heure, tout ce que je vous explique, je suis assez séduit par les fonctionnalités. Par contre, au niveau des affichages des notifs, je trouve que ça manque un peu de fonctionnalité. Les notifications s'affichent, elles s'affichent bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on va rien pouvoir en faire. On ne peut pas les supprimer, etc. On peut juste les swipe. S'il y a des messages complets, moi j'ai que le titre du message ou que le début. Donc je ne peux pas ouvrir complètement le message comme sur certaines montres, c'est possible. Et aller lire par exemple le contenu d'un mail ou quoi, là je ne vais pas pouvoir le faire, je vais juste avoir le titre, etc. Au niveau des notifs, par exemple, il n'y a même pas l'icône YouTube, donc quand c'est une notif YouTube, j'ai une autre icône, un peu genre message, j'ai quasiment l'impression que c'est un SMS ou un truc comme ça. Donc parfois, j'ai un peu du mal à me retrouver sur les notifs, c'est pas ouf, j'ai vraiment vu mieux chez d'autres. Et en plus, petit bémol, quand vous recevez des messages avec des smileys, la montre, elle n'affiche pas les smileys. Je pense que c'est peut-être le point négatif, il faut pas trop la voir comme une montre connectée, mais peut-être plus comme une montre tracker d'activité, où là ça va être plus pertinent au niveau de l'usage. Le côté le côté des notifs, c'est que secondaire. Cette Huawei Watch GT, elle vient de chez Geekbuying, hop, petit lien en description. C'est eux qui me l'ont envoyé pour que je puisse la tester et vous la présenter. Alors sur le site de Geekbuying, on la retrouve aux alentours je crois des 140€ à peu près au moment où j'ai fait la vidéo, au moment où j'enregistre. 140€, c'est un tarif plutôt correct pour une montre connectée, c'est pas excessivement cher. Maintenant, je sais que parfois, selon les périodes, on peut arriver à trouver des petites remises. Et j'ai vu par exemple qu'il n'y a pas longtemps, elle était plus aux alentours des 100€ ou 110€ que des 140. Donc c'est plutôt cool, ça peut éventuellement baisser de temps en temps. Après 140€, c'est pas encore c'est pas encore énorme, c'est quand même un budget, je le conçois, mais c'est pas encore énorme comparé à certaines grandes marques qui font des montres connectées à 200-300€, voire plus. Il est temps de passer au bilan de cette Huawei Watch GT. Alors qu'est-ce que j'en pense? Mis à part, le petit défaut des notifs, où clairement j'aurais voulu un peu plus que ce qu'elle fait. Sinon pour le reste, j'en suis entièrement satisfait pour le tracking de l'activité, du sommeil, etc. On a toutes les infos sont détaillées. On a une montre qui, je trouve, a un petit design sympa, plutôt élégant. On a une montre qui est confortable à porter. Une montre avec beaucoup de fonctionnalités, le GPS notamment, qui n'est pas embarqué sur toutes les montres et qui peut vous permettre d'aller faire de la course ou du vélo sans embarquer votre téléphone. Vous aurez quand même du coup votre trajet représenté sur une carte, etc. Donc là c'est plutôt sympa. Et du coup on a tout ça pour un tarif relativement maîtrisé quand même, 140€. Donc moi je suis plutôt convaincu par ce produit. Et si vous cherchez une montre, pourquoi pas celle-ci, elle fait plutôt le taf, c'est un produit que je peux vous recommander. Et bien voilà, cette review s'arrête ici, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez un petit pouce, moi ça me fait plaisir. Et puis vous partagez auprès de vos amis, sur les réseaux sociaux, etc. Comme ça me fait encore plus plaisir, et du coup ça me motive encore pour vous proposer d'autres reviews, et il y a encore plein de choses qui vont arriver prochainement. Allez, sur ce je vous laisse, moi je vais geeker, ciao.